Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc avant toute chose, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour cette année 2022. Et surtout, des sangliers AMM. Un tas de sangliers. On va commencer avec tir sur renard, puis sur chevreuil et après sur sanglier. Je vous laisse vivre la première scène et je vous explique. Alors là, c'est quand même incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas loupé comme ça. Il y a 2 jours, j'ai fait tomber la carabine par terre, sur le carrelage. J'ai pas fait attention, et en vérité, j'ai eu un léger souci. Je loupe donc ce beau renard à 20 mètres, donc 3 balles bien à côté, hein, vraiment bien à côté. On enchaîne avec un chevreuil. Donc là, je tire ce chevreuil. À quoi? 15-20 mètres? Et je le loupe! Comme le renard! Là, je me suis dit, c'est incroyable! Il y a un problème. De toute façon, c'est sûr, il y a un problème. Je regarde la carabine. Dis donc, vous savez, mais sur ma mire, j'ai 2 organes de visée. Il y en a un qui était complètement décalé. Donc, une fois la battue terminée, eh ben, j'ai réglé la carabine en tirant sur un tronc et en tapotant sur le premier organe, le plus proche de moi de la mire, que j'ai remis à peu près centré. Et là, vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça veut craquer! Salut tout le monde, bon, petite explication, à chaud c'est le mieux. Je viens de tuer 2 cochons, 2 petits sangliers, un de 85 kg, l'autre de 20 kg. Celui de 85, incroyable, ça se met à chasser, gars, je me prépare. D'un coup je vois des oreilles dans les houes, ouh, il se faufilait, gars. Il s'emmène, 5 mètres, ah ouais, 5 mètres, boum, il tombe, je crois même qu'il se relève, je me souviens plus, on verra sur la vidéo, il se relève, boum, mort. Et puis le petit, il prend tout le long du champ, je vais vous montrer, tout le long du champ, comme ça, et il vient droit sur moi. En bas, je vais vous dire, il y a quoi? Il y a 100 pas, il y a 100 pas, donc à peu près 100 mètres on va dire, 100 pas, je le prends, boum, pleine tête au petit de 20 kg. Ben incroyable, j'avais jamais fait ça, enfin jamais fait ça, j'ai des tirs comme ça, un petit de 20 kg à 100 mètres, faut y mettre de la trappe, faut y poter. Haha, petit week-end, un petit dimanche soir là, à petit. Ça veut craquer, ma dieu. Quand j'ai vu le machin s'amener, j'ai vu les 2 oreilles qui a dépassé des houes. J'ai dit, la petite, t'as intérêt de passer vite parce que sinon t'es mort. Là, tu penses qu'il s'est amené tranquillement à 5 mètres. Je le prends. Boum. Ah bon, terminé. Allez hop, terminus. D'un seul coup, je venais de tirer le gros, je tourne la tête. J'entendais la chienne qui chassait. Ouh, je vois un petit. Tout noir. Ouh, je le prends, gars. Il s'amène, il traverse tout le pré sur moi, et un coup je le vois plus, ça fait le vallon. Hein. Ah petit, je le prends, je m'applique, une balle. Péon ! Pleine tête. Ah, oh, j'ai dit, ah vieux, j'ai été dru. Sur ce coup-là, j'ai été dru. Ça m'a fait 100 kilos, hein. Tête bague. Non ? Attends, on va le rapprocher déjà devant. Allez, vas-y. Allez, à deux, allez. Eh ben Arthur. Bien joué,
Allez, 1, 2, 3. Ouais, mais t'en as une, c'est nous, faut qu'on aille tirer l'autre. Ah ouais. Bah, mets la tienne. Eh ben, on est parti. Allez, hop, Derby. J'espère qu'il va pas le faire parce que sinon il va jamais pouvoir l'heure. Mais... Bah, il m'appelle, il m'appellera. Allez, c'est parti. Bah tranquille Arthur. Hein. Et moi j'en ai marre. Là Arthur, je vais te dire, moi j'ai chaud. Merde, la bonne femme qui m'a rappelé. Oh putain. Ah, c'est chier. Oh my god. Ah putain. Je me garantis. Arthur. Ta gueule, tire donc toi. Putain. Ah, ah, ça me saoule. Bon mes amis, c'est la fin de toutes ces petites péripéties, un bon dimanche soir de nuit. Petit gars, je peux vous garantir que ça veut craquer pour la fin de saison. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'ai adoré te la faire. Petit gars, je te garantis que tu vas t'abonner et me laisser un pouce bleu.